Donc, je suis le président de l'association Le Chioulardas. Le Chioulardas, ça ne veut pas dire... C'est la manière de siffler das. C'est pas le site. Enfin, voilà. Donc, nous, notre association s'est penchée sur le fait de ce langage sifflé. Donc, on a essayé de savoir où c'était. Donc, ma jeune amie ethno-anthropologue qui s'appelle Thierry Truffaut et qui est le gars qui a remis au goût du jour le carnaval au Pays Basque. Et comme il me disait, une génération après, tu sais, c'est là que tu vois si ça a marché. Les gens, ils pensent que ça a toujours existé. Et donc, on a recherché d'où c'est que ça pouvait venir, et ça venait, les Berbères sifflaient. Donc, il y avait M. Pucheux, là, qui était là, avec nous, autour de la table. Il dit, je vais aller voir au Maroc. Alors, il allait dans l'Atlas, il s'est arrêté dans un village. Il va à l'Atlas, il dit, vous avez vu quelqu'un siffler ici? Donc, il dit, oui, on siffle, nous. Il dit, vous sifflez. Montrez-moi comment vous sifflez. Montre comment on siffle. Voilà. Il dit, oh, Théo, quinteva. Je traduis. Je vais lui dire kebab là. Voilà. Alors, le langage sifflé, c'est pas une langue. C'est, on porte la parole plus loin. Donc, ici, ils sifflaient parce qu'ils vivaient ensemble. Et pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi à l'île de Bé, ils sifflaient? Je ne sais pas. Pourquoi à Kuşköy, en Turquie, ils sifflent? Je ne sais pas. Pourquoi les Inuits, ils sifflent la nuit et ils écoutent le vent? Je sais pourquoi. C'est parce qu'ils pensent être en communication avec les anciens. Bon, ici, ce n'était pas le cas. Ici, c'était, ça servait à « Amène-moi à Porta la Barrio !» Vous avez compris? Tu vas te la chercher toi-même. Elle est contrariée parce qu'elle aurait voulu naître à Pau, comme moi, à la maternité du Foirail. Et elle est née à... Je peux rajouter quelque chose là? Oui. Parce que, si vous voulez, les estives des bergers d'As, c'était Gourette. Or, Gourette, c'est un cirque à étage. Voilà. C'est un cirque à étage, donc ils avaient la facilité de communiquer en sifflant dans ce cirque. Voilà. C'est de là que c'est parti, en fait. Hein. Oui. Le sifflet d'As, c'est parti de là. Et pas que celui de As. Il y a partout une caractéristique du paysage qui fait que. Ici à As, ils ont entendu la déclaration de guerre avant que le facteur n'arrive. Parce qu'ils communiquaient en sifflant. Et comme disait M. Lascurette, qui est l'ancien maire de As, dit, ah si, ça, le monde qui chioulave, mais ne s'en parlava pas. Ici, les gens sifflaient, mais ils ne s'en parlaient pas. Et pour eux, c'était normal. Donc, autant vous dire que les gens... Ils sifflaient. Alors, il y a des gens qui ont dit, mais pourquoi que As? Eh bien, j'ai dit, parce que As, c'est sûr que c'est le dernier village, au moins dans le pays, où il y a eu des siffleurs. Et tu peux siffler du français et tu dis, comment tu t'appelles? S'il te plaît. Non, mais oui, on siffle Béarnais, mais pour que les gens se fassent l'oreille. Soyez les bienvenus au village d'As. Je dis, comment tu t'appelles? Je m'appelle Jean. Je m'appelle Théo. Vous entendez? Oui. Donc, c'est quand même dur de reconnaître. Les mecs qui sifflaient entre eux, ils étaient entre eux tous les jours. Et donc, quand ils sifflaient, ils n'avaient même pas à demander qui c'était. Ils sifflaient une phrase qui est quand même typique d'ici,
Oh Baptiste, relâche les oies de la montagne. Ouais, bon. Oh Baptiste, fais descendre les brebis de la montagne. Donc celle-là, vous pouvez l'entendre sur le nef. Tu traduis à fur et à mesure, hein? Oh, Baptiste, baixa as olhos da montanha. Oh, as bis passar as olhos da calceta. E há um lieu, ici, ça s'appelle la chausseta. Tu sais où c'est, toi?